Olé pour le premier Dieu. Wapa ma Dieu, fort femme, c'est ma moine. Olé pour le premier Dieu. Wapa ma Dieu, fort femme, c'est ma moine. Olé, wap Dieu. Olé pour le premier Dieu. Wapa ma Dieu, fort femme, c'est ma moine. Olé pour le premier Dieu. Wapa ma Dieu, fort femme, c'est ma moine. Olé, wap Dieu. Olé pour le premier Dieu. Ouais, pas ma Dieu, fort femme, c'est ma moi. Allez, l'anjo. J'arrive. Tani, mais qu'est-ce que t'en chantes comme ça? Non, tu sais, c'est toi-même. Quand je te vois, je sais que tu es où. Chérie, coco, chouchou, pénicilline. Et qu'est-ce que je peux te servir? Tiens. Une cage bien glacée. Je m'en vais te servir. Voilà, je donne d'abord pour les ancêtres. Oh. Tani, c'est comment tu bois seul? Oui, je bois seul comment? Prends ta part, tu viens t'asseoir près de moi, on boit ensemble. Ok, merci. Non, tu me finis seulement. Qu'est-ce que Mamie Nyanga! Hey. Ouais, ok. Moi, j'ai déjà le décapsuleur. C'est la galanterie. Je suis un homme galant. Pour le ma Dieu, wapa ma Dieu, fort pam sing ma wam. Olé pour le. Mami Nyaga. Oui, Tani. Tu connais le goût de tes voisins par cœur. Bien sûr, Tani. Quand ils sont pas changeants comme toi. Si toutes les femmes étaient efficaces comme toi, je jure que aucun homme ne se plaindrait. Oui, allô chérie. Oui, suite, j'ai au quartier là. Je prends un poche ta copine là, j'arrive. Ah, maintenant? Ok, 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 j'arrive alors. Mais, Lily, Kapaou n'a pas payé, tu ne dis rien, pourquoi? Hein? Tani, laisse tomber, monsieur Kapaou a son cahier ici. Mais Lily, quand je te demande la billet ici à crédit, tu ne me donnes jamais. Pourtant, tu donnes à ce vilain voisin qui ne salue jamais personne dans ce quartier. Ça se fait comment? Ouais, Tani, laisse comme ça et...
Monsieur Kapaou, en fait, je ne te parle pas du crédit. Monsieur Kapaou me donne une somme d'argent chaque fin du mois. Et en rentrant du travail, il s'arrête ici, il prend une bière. Et je déverse ça dans son compte. Ah, j'ai compris. Ça va, ça va. J'ai compris. Salut, voisin. Bonsoir, Tani. C'est comment? Ça va. Merci. Lily, tu viens? Oui, chérie, j'arrive. C'est quel habillement, ça? Chérie, il fait chaud. Je ne sais même plus quoi porter. Et c'est quoi d'expliquer ta gérance à Tani? Bon sang, je t'ai déjà demandé de ne plus t'asseoir avec les clients pour boire. Je m'excuse, chérie. Je ne dois plus le faire. Chaque fois, tu comprends, mais je te trouve toujours en train de boire avec les clients. Chérie, c'est pour amener l'argent dans les caisses. Lily, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Si un client t'offre la bière, tu peux t'asseoir là, tu bois. C'est plus sérieux, ça t'évitera la familiarité avec les clients. J'ai compris, chérie, je ne dois plus le faire. Lily! Je veux une bière bien glacée là, s'il te plaît. C'est comment ma puce, ça va? Chérie, tu réponds pas à tes messages? Ah non, laisse, c'est pas important. C'est sûrement les SMS des opérateurs. Tu sais, ils dérangent beaucoup. Hein. Ah non, laisse, c'est pas important. Est-ce que j'ai fouillé ton portable? Tu ne connais pas le morceau là? Maman, laisse le téléphone de papa. Papa, laisse le téléphone de maman. Voilà, faut respecter ça. Comment chercher le problème là où il n'y a même pas? Chérie, je ne veux pas fouiller ton téléphone, je veux juste lire les messages. Ah non, c'est... Ouais, bébé, pourquoi tu insistes? Bébé, tu me manques. Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. De qui sont ces messages? Kapaou, de qui sont ces messages? Chérie, chérie, calme-toi, calme-toi. Je ne sais pas... Attends un peu. Qui peut m'envoyer ça les messages? À peine 2 ans de mariage, tu me trompes? Non, bébé, je t'assure, c'est pas ce que tu penses. D'ailleurs, regarde un peu le nom là, c'est qui? Arrête de me prendre pour une idiote! Ouais, regarde d'abord le nom que tu me dis. Ok. Ça n'a aucun nom. Et alors? Mais je suis sûre que c'est une femme qui te les a envoyés. Mais comme tu veux jouer, on va jouer. Je l'appelle de suite. Appelle. Tu n'as pas de crédit, non? Tu crois que tu as gagné? Moi, j'en ai. C'est quoi? Tu parles plus? Tu as perdu ta langue? Je t'ai dit que je ne connaissais aucune femme qui pouvait m'appeler bébé. Regarde-moi ça. Depuis que j'ai posé les yeux sur toi, je n'ai plus posé les yeux sur aucune femme. Je t'assure que je te suis fidèle. Et toi, tu doutes de moi. Tu oses douter de moi. Regarde maintenant comment tu es ridicule. Donne-moi ça ici.
Pourquoi tu es furieuse comme ça, ma copine? Lily, j'ai vu les messages de toi dans le téléphone de mon mari. J'aimerais que tu m'expliques un peu avant que je ne devienne folle. Tu n'as pas vu le mari de Jabet? Et puis quoi? Et puis ça me fait quoi? C'est mon amant. Lui et moi, on avait des petits soucis et je suis en train d'arranger. Lily, et ça fait comment que tes messages se retrouvent dans le téléphone de mon mari? Explique-moi un peu, s'il te plaît. Ça doit être une confusion. Ah! Non. Je l'ai appelé l'autre jour pour qu'il rentre avec les médicaments des enfants. Ah, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il va penser de moi? En envoyant les SMS à mon amant, j'ai dû confondre de numéro. Ouais! Tu as raison. Parce que lui-même ne reconnaît pas le numéro. Tu vois, tu dois me faire confiance. Tu es quand même mon ami. Je ne peux pas te faire des choses pareilles. Mais ce n'est tout de même pas bien de sortir avec le mari de notre voisine. Ça ne se fait pas, Lily. Ça ne se fait pas. J'ai compris. Je vais mettre un terme à cette relation. Tu as pensé à ce que ferait Rabiat et ton mari s'il venait à l'apprendre. Tu as raison. Je vais mettre un terme à cette relation. Mais tout ça après le 8 mars. Mais pourquoi après le 8 mars? Parce qu'il m'a promis de l'argent pour acheter mon pagne et celui de ma mère. Mais Lily, ton mari a assez d'argent pour t'offrir le pagne à ta mère et même à tes soeurs s'il le faut. Figure-toi que mon mari, un bon intellectuel, ne gère pas ces histoires de 8 mars. Alors que moi, je tiens absolument à le porter. Ok, je te comprends très bien. Mais les droits de la femme ne se célèbrent pas toujours en portant le pagne du 8 mars. Regarde comment tu tombes dans l'infidélité à cause de ce foutu pagne. Je t'ai déjà compris, non? Oh, Lily, même quand nos maris ne nous voient pas, Dieu nous voit. Et c'est sa crainte que nous devons avoir. L'infidélité détruit le mariage. Amen. Oh. Ah, chérie, le travail m'appelle. Pense à ce qu'on se dit. J'ai compris. Je vais le faire. Mais mon frère, toi, tu nous as amené aussi depuis, on ne boit pas depuis. Hein? C'est pas possible. Lily! Lily! Ça, c'est quel genre de battle? La serveuse, tu es en train de marcher! Seigneur Jésus! C'est ça qui m'énerve d'arriver au Cameroun à Zon, c'est toi qui nous as amené ici. Ouais, pardon, ne vous fâchez pas. Tu crois que nous sommes venus voir ton fond de teint ici, madame? Ah, imaginons. C'est pas possible. Je vous sers donc quoi? Une cassette non glacée. Malgré la chaleur, mon état de santé ne me permet pas de boire le glacé. Et vous, monsieur, je vous sais quoi? Tu me sers une cage de bière bien glacée. Ok, j'arrive. Mon bébé, tu as fait comment avec l'argent de mon pagne? Regarde, bientôt le 8 mars. Mm-hmm. Et je n'aurai plus assez de temps pour courir. Tu veux mon argent pour ton 8 mars? Bien sûr, mon chéri. Mais quand je te demande qu'on aille à l'auberge, tu me tournes, tu dis que tu n'as pas le temps. Ouais, chéri. Tu penses que moi, je te mens? Mais parfois, ici, comme tu vois là, je ferme ici jusqu'à minuit. À minuit? Et le matin alors? Le matin, je fais la cuisine aux enfants. Et j'arrive ici à 10 heures. Toi, tu n'as jamais le temps. Ça, ce sont des excuses bidons que tu me sors tout le temps. En fait, tu sais quoi? Tu veux mon argent, non? Tu vas à l'auberge, tu réserves une bonne chambre,
tu m'appelles, ça se passe comme tu connais là, tranquille bien. Après, tu auras tes 20, 30, 50 points comme tu veux, tu donnes à toute ta famille, à tes amis. C'est très simple. Ok. Mm-hmm. Ok, mon chéri, demain. Ok, pas de problème. Roule-moi au carrefour, arrive demain à 9h. Comme ça, on aura le temps avant que tu n'ouvres ton bar. Ça te va? Ok. Mon bébé, tu dois me donner combien? Non, laisse d'abord ça. Va prendre une bière, tu viens en toast. Merci, chérie. Mm-hmm. C'est pour ça que je t'aime. Ouais, c'est ça. Lily, apporte-moi une bière non glacée. Prends une bière, tu t'assois là. Mais Lily, viens t'asseoir. Bonsoir Lily. Bonsoir Monsieur Téné. Tu es très sexy aujourd'hui, hein. Tu me sers une petite Guinness. Tu prends une bière. Et tu viens me tenir compagnie. J'ai eu une dure journée aujourd'hui. Chérie, s'il te plaît, ne pars pas. Non, mais qu'est-ce que je vois là? Ce sont les choses du bar. Et tu sais, on ne peut rien causer ici. Va dans notre endroit habituel, à l'hôtel au pilote là. Tu prends une chambre, j'arrive. Non. Je dois rentrer tout de suite. Et tu sais très bien que si je rentre, ma femme ne laissera pas ressortir. Qui te parle les histoires d'entrée et sortie ici là? J'ai dit, tu pars à l'hôtel au pilote, tu prends une chambre là-bas et j'arrive. Comme tu tournes le dos là, moi je te suis derrière tes fesses. Et ton bar, qui va gérer ça? Mon bar n'a pas un problème. J'ai dit, comme tu parles, je te suis directement derrière les fesses. C'est sûr? Très sûr. Je te donne 10 minutes. Tic-tac, tic-tac. Je t'attends. Ouais. Samy! Samy! Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, viens. Viens. Oh, viens. Regarde, j'arrive. Tu comprends? Oui. Prends ça. Je viens, je monte ici en haut, je viens. Tu as 5 minutes, hein? 5 minutes. Mais je t'ai dit que je monte là, je viens, non? C'est comment? Ok. Ok. Où est Lily? Je l'ai sorti. Et c'est elle qui t'a donné le jus là? Non, monsieur, paye après. Je ne fais pas de crédit ici. Sors! Vas-y! Tu es déjà rentré, mon amour. D'où sors-tu, madame? J'étais là-haut pour faire un retrait. Tu sais, demain, c'est le jour de fête de Binam. Et il me fallait des sous pour garantir la boisson au dépôt. Je comprends. Mais prochainement, il faudra fermer avant de partir. J'ai supplié ton petit Samy en train de boire le jus. Et je ne sais pas combien de jus il a bu. Et comme ça, ça nous évitera de manquer. Ok, j'ai compris, chérie. Tu comprends toujours. Tu comprends toujours. Moi, je rentre. Ne ferme pas tard. Merci, chérie.
Arrête-toi. Tu guettes quoi ici? Je ne dois plus marcher, madame. Tu as gardé quelque chose ici? Mais je suis en train d'aller dans mon bar. Tu vas dans ton bar et tu guettes les gens. C'est poli, ça. Les choses que tu fais avec le mari de ta copine, là, n'amène pas ça ici, là. Ne tente même pas. Ceux qui veulent te taper, ils ne vont pas te reconnaître. C'est tout toi ici qui dois me taper. Ou bien tu as gardé l'autre là-bas chez toi. Ok, ne bouge pas. Garde la même position, j'arrive. Max, Max, Max. Tu penses que j'ai peur de ça? Mon fils, il fallait venir toi-même. Je devais te toucher comme ça avec mes propres mains. C'est quelle histoire ça même? Hein? Les gens ne peuvent plus marcher en paix au quartier. Hein? C'est quoi ça? Il fallait rester là. N'importe quoi. C'est moi qui ai demandé à Dieu qu'on me donne ce genre de corps. Hein? Tu passes n'importe où, on t'appelle, on t'interpelle, c'est comment? Mais c'est Dieu qui m'a donné ça vraiment. Capao, décroche. Ouais, bébé, décroche. Oui, dis-moi, je t'écoute. Allô, chérie? Non, je suis désolé. Je t'ai dit hier au téléphone que je ne mettrais plus pied dans ton bar. Non, bébé, ne me parle pas les choses comme ça. Viens, s'il te plaît. J'ai quelque chose de très urgent à te dire. S'il te plaît, chérie. Hein? S'il te plaît, bébé. S'il te plaît, s'il te plaît. Ok, j'arrive. Hé! Hey! Juste à ce que la femme de Monsieur Simo connaît que Kapao et moi on sont ensemble. Tout ça pourquoi? À cause du pagne. Mais ce n'est même plus le pagne. Moi je l'aime. Hein? Kapao. Engabo. Mignon. C'est le bancal que tu veux voir. Et quand il entre dans le carburateur, aïe, oh, ça fait des choses. Ah, il y a que mes pensées à lui, mon corps fiction. Non, un gars fort aux fesses, quand il te prend, tu comprends. Ah. Oui, Lily, dis-moi, il y avait quoi de si urgent? Bébé, est-ce que tu sais que la femme de Monsieur Simo m'a agressé tout à l'heure et qu'elle nous a vus la dernière fois ici? Ah bon? Prochainement, on doit même plus s'asseoir ici. Directement le pilote. Non, 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 non. Tu sais, ma femme nous soupçonne. Je te sens... Tu es très instable. Tu fais n'importe quoi avec tes clients. Tu fais des trucs. Ça m'énerve, ça me stresse même à la fin. Lily, laisse-moi te dire, je ne me sens plus à l'aise dans cette relation. Les clients ne vont pas gâcher notre relation. Lily, je te quitte, c'est fini toi et moi. Non chérie, chérie ne me dis pas ça. Non, c'est fini. Bébé, tu sais que je t'aime.
Tu feras mieux d'aimer ton mari. Tu feras mieux d'aimer ton mari, Lily. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, Lily? Ma copine, calme-toi. Chérie, s'il te plaît, calme-toi. Ne me touche pas. Ne me touche pas, Rapao. Lily, tu cherches quoi avec mon mari? Tu cherches quoi derrière mon mari? Ce que tu fais aux femmes ici au quartier, n'essaye pas ça avec moi. Ouais, je dis, on n'est pas bien arrivé là. Rapao, ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Lily, tu sens le mari de toutes les voisines au quartier. C'est sur moi que tu viens te reposer. Hein? Dans tous les cas, hein, c'est le quartier qui doit nous séparer. Ouais, ma copine, laisse comme ça. Oh, venez me voir. Pardon, laisse-moi. Ouais, ne me touche pas. Prostituée. Quartier, venez me voir. Venez me voir. Voilà, c'est de mari. Venez me voir. Venez me voir. Vous m'assurez au carrefour. Voici. Que se passe-t-il? Tu ferais mieux de demander à ta prostituée de faire ce qu'elle fait avec mon mari. Elle couche avec mon mari. Attends un peu, je t'explique. Hein? Et ce n'est pas tout. Monsieur Tagne, elle est dedans. Papa Tagne, elle est dedans. Elle est avec tout le monde, le mari de Rabiatou. Dans tous les cas, ça ne va pas finir. S'il te plaît, calme-toi, vas-y, calme-toi. De toutes les façons, hein, c'est le chef de quartier qui doit trancher ça. Comme je ne peux pas, ça, on se prend sur le chef de quartier. Lily, tu peux mieux m'expliquer ce que je viens d'entendre là? Mon bébé, tout ça c'est le mensonge, je vais t'expliquer. Tu veux m'expliquer quoi? Mais... prostituée? Tu couches avec le voisin? Mais ça ne va pas être là. Chérie, non. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça, chérie. Moi, je t'ai ouvert une boutique, j'ai tout mis à l'intérieur. Tout m'est récompensé, tu crées ma boutique, tu changes ma boutique en auberge. J'ai une bière, s'il te plaît. Dégage de là, c'est fermé. Mais s'il te plaît. Où tu es là? Tu te lèves, tu fermes cette boutique. On rentre. Bébé, je n'ai pas fait Ferme ta bouche! Majesté, s'il vous plaît, trouvez une solution à ce problème. Je suis fatiguée. Je ne sais pas si je suis capable de la rencontrer encore dans les rues de ce quartier. Cette femme est un danger pour mon foyer. Mon foyer vole en éclats. Majesté, moi je ne veux plus être avec elle. Elle m'a humilié. Elle a traîné mon nom dans la boue. Je ne sais pas si je pourrais encore avoir le courage de passer devant mes voisins. Je ne veux plus être avec elle. Franchement, désolé. Sa Majesté, je tiens d'abord à demander pardon à mon voisin Imok. Voisin, pardonne-moi, s'il te plaît. Et ensuite, je demande pardon, pardon, mille pardons à ma femme que j'aime de tout mon cœur. Bébé, tu sais, il y a les choses qui nous arrivent parfois dans la vie. On ne sait pas. Parfois, c'est sûrement le diable. Et je t'assure que Dieu a touché mon cœur. Et j'ai changé. Chérie, je te demande pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Merci beaucoup, chérie. Je me réjouis du fait que votre épouse ait accepté vos excuses. Vous savez, le pardon est divin. Monsieur le chef, je demande pardon. Ma copine, je te demande pardon. S'il te plaît, excuse-moi, je ne dois plus le faire. Bébé? Bébé? S'il te plaît, excuse-moi. Excuse-moi, s'il te plaît. Je te demande pardon. Je t'ai ouvert un bar pour toi.
Je t'ai enlevé dans la pauvreté. J'ai voulu faire de toi une femme digne. Regarde comment tu me récompenses. Lily, qu'est-ce que tu m'as fait? Voilà maintenant, tu as transformé mon bas en auberge. Comment pourrais-je encore marcher devant mes voisins? C'est toi qui ne voulais pas comprendre cette histoire de panne de 8 mars. Et pourtant que moi, je voulais absolument porter ce panne-là. Je voulais porter le panne et offrir aussi à ma mère. Et la femme de mon grand frère, comme mon grand frère est pauvre, il n'avait rien. Pour cela, je te demande pardon. Je te demande pardon, je ne dois plus le répéter. Lily, je ne vois pas ce qui est du genre à quoi apporter ce panne. Si tu ne portes pas ce panne, tu vas mourir. Ta famille va mourir. Arrêtez! C'est terminé, madame. Regardez votre robe. Vous êtes sanctionné pour cette robe. Vous voulez apporter votre esprit de séduction à la chefferie? Monsieur le chef, je ne savais pas. Vous ignorez que j'ai 3 femmes dans cette maison? Vous avez conscience de tous les désordres que vous avez causés dans ce quartier jusqu'ici à cause d'un simple pain du 8 mars? Monsieur et madame Emok, vu les multiples dégâts que votre bar a pu causer dans ce quartier jusqu'ici, je décide de le fermer pour une durée de 2 ans. J'en ai terminé. Arrête de m'appeler chérie. 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 Chérie.